Ben, je verrai l'écran peut-être, ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du Populaire du Centre pour notre émission CSP Time en direct live, une émission de notre invité tout simplement Nobel Bungukolo, 4 saisons pleines sous le maillot du Limoges CSP, arrivé en cours de saison 2011-2012. Il est de la remontée en Pro 1 et du titre de Pro B, un palmarès qu'il agrémentera ensuite de 2 nouveaux titres de champion de France en Pro A en 2014 et 2015. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sois le bienvenu, Nobel, et bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Pour nous accompagner, bien évidemment, le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Dans ce CSP Time, nous parlerons bien évidemment du Limoges CSP quand même, de cette équipe qui défend le plomb mais qui ne gagne pas. Et on le verra avec Nobel qui, avec son équipe des Metropolitans, et le dernier bourreau en date du Limoges CSP en Betclic Elite. C'est vraiment dur à dire ça quand même. Hein. Et ensuite, ben, nous parlerons de Nobel et de sa carrière, de son passage à Limoges, bien évidemment, et de ses envies affichées de retour. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Il y en a déjà. Guga 4000, ne t'inquiète pas, nous avons vu ta question. On ne t'oubliera pas. CSP Time, saison 5, épisode 4. C'est parti. Alors, on commence tout de suite par le Limoges CSP. Et Mathieu, je me tourne vers toi. Cette équipe qui défend bien, qui ne prend pas de tôle, mais qui ne gagne pas et qui affiche un bilan de 5 défaites pour seulement 3 victoires en championnat. Voilà, la défense, ça fait pas tout, Mathieu. Non, ça fait pas tout. Après, faut voir les ambitions du CSP, faut voir de quoi on parle. Ça fait pas tout, ça peut pas jouer les premières places. Hein. Clairement, le CSP aujourd'hui, après 8 journées, on peut le dire, il est largement, mais on le savait déjà, hein, il est largement derrière des équipes comme Monaco, comme l'ASVEL et comme Levallois. Franchement, une très belle équipe de Levallois. Maintenant, oui, le CSP est dans les matchs. Il a été dans le match au Mans, il a été dans le match à Levallois, même si au final, les deux fois, la défaite est logique. Donc tu as une bonne défense, t'as quelques certitudes de ce niveau-là, mais aujourd'hui, bah, t'as pas ce qu'il faut non plus pour, à mon avis, rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Nobel, vous avez rencontré et battu cette équipe du Limoges CSP. Vincent Collet, l'entraîneur, a été plutôt optimiste pour cette équipe. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette équipe de Limoges? Non, c'est une équipe, je crois, qui a une très bonne défense et qui se bat avec ses moyens, je pense. Et elle nous a posé un peu de soucis parce qu'ils mixaient les défenses, que ce soit de la zone, etc. Parce que la zone, il n'y a pas beaucoup d'équipes en première division qui en font vraiment. Surtout aussi longtemps, Nobel. Ouais. Donc ça nous a posé un peu des problèmes. Mais ouais, c'est une équipe qui se bat, on va dire. En général, une équipe qui se bat et qui défend, je pense qu'ils ont envie de gagner, mais bon, il manque quelque chose quand même. Qu'est-ce qui manque d'après toi? Mathieu a parlé de talent offensif, tu es plutôt d'accord avec ça? Bah, je pense qu'il manque d'armes, ouais, il manque d'armes offensives, ouais, bien sûr. Mathieu, Jerry Blex, le retour, ça risque de résoudre quelques soucis à ce niveau-là ou ouais, ça restera malgré tout en souffrance? Après, Jerry Blex, on l'a vu à Cholet, hein, on verra ce qu'il fait à Limoges. Il n'a pas non plus dominé le championnat la saison dernière avec Cholet. Donc moi, j'attends de voir ce qu'il va apporter. Mais je pense qu'il peut amener d'autres armes. On le sait, c'est un joueur qui est capable de créer son tir, qui est un peu un faux-follet en attaque. Donc je pense qu'il peut apporter une arme supplémentaire offensivement. Maintenant, il faudrait aussi que d'autres joueurs montrent un peu plus, quoi. Je pense à Dimonter Harper qui était la recrue phare de l'été, dont on attend beaucoup plus. Ouais. Nobel, tu as joué sous les ordres de Dusko Ivanovic au Khimki Moscou. J'imagine qu'avec lui, la défense, c'était une priorité. Est-ce qu'une équipe avec une défense essentiellement et une attaque un peu plus faible, ça peut quand même réussir dans un championnat comme le championnat de France? Non, je pense pas. Je pense que le championnat de France, c'est un championnat qui court et qui est athlétique en premier. Et la défense, elle est importante, bien sûr. Mais réussir son talent offensif, c'est quand même compliqué. Parce que quand on voit des équipes comme nous, Boulogne, Monaco et l'ASVEL, il y a quand même du talent offensif. Hein. Et tout dépend ce qu'on appelle en fait réussir. C'est quoi réussir? Aujourd'hui, tu peux pas mettre sur le même plan Boulogne-Levallois et le CSP.
Enfin, je pense que la masse salariale, je les ai pas des deux en tête, mais je pense que ça a rien à voir. Donc c'est normal qu'une équipe comme Boulogne-Levallois batte le Limoges CSP assez aisément et pas les mêmes ambitions que ce Limoges CSP. Il y en a une qui est pas loin de pouvoir jouer le titre, même si je la vois un peu en dessous de Monaco et de l'Asvel, et l'autre qui va se battre pour les playoffs. On a suffisamment parlé, on la voit plutôt entre la 8e et 12e place que dans le top 3, quoi. Donc qu'est-ce que c'est réussir? Est-ce que le CSP aura réussi sa saison en se qualifiant pour les playoffs? Moi, quand je vois cette équipe, j'ai tendance à penser que oui, en fait. Ouais. Nobel, comme dit Mathieu, le CSP a annoncé vouloir jouer les playoffs. C'est le minimum hein, quand on joue à Limoges. Si tu penses que potentiellement, elle en a les moyens? Oui. Je pense qu'elle a vraiment les moyens d'accrocher les playoffs parce que c'est une équipe qui peut faire beaucoup de poser de problèmes à beaucoup de gens. Et je pense qu'avec leur défense, déjà, je pense qu'elle fait partie vraiment des meilleures défenses du championnat. Ouais, c'était la deuxième meilleure défense du championnat. Ouais. Donc, avec ça, je pense qu'ils ont les moyens pour pouvoir atteindre l'objectif. Ouais. Non, mais ça va être limite. Hein. Enfin, quand tu regardes les autres équipes qui composent le championnat, qui se battent pour ces 8 places, déjà, à mon avis, on l'a déjà dit, hein, mais t'en enlèves 3, on va pas les reciter, il reste plus que 5 places pour se qualifier pour les playoffs et il y a pas mal de prétendants, donc si ça passe à mon avis ça passera, mais ouais, avec crack quoi. Nobel, un petit mot là sur ton équipe des Métropolitanes. Ils sont leaders du championnat aujourd'hui. Bon, quelque part ils profitent peut-être des coups de mou de l'Asvel et Monaco en sortie d'Euroleague. Est-ce que tu penses que cette équipe peut rivaliser avec ces deux ogres que sont l'Asvel et Monaco? Ouais, je pense que cette équipe peut rivaliser, mais ça reste compliqué quand même, hein, parce que quand on voit comment les équipes de l'ASVEL et Monaco sont taillées en championnat de France, deux fois c'est pas les mêmes joueurs qui vont jouer en Euroleague, etc. quoi. Donc il y a quand même des gestions de temps de jeu, etc. Et ça peut être très compliqué quand même. Mais je pense que cette année, ouais, c'est des groupes larges comme ces effectifs-là. Et le Valois fait partie des gros effectifs aussi de cette année qui peuvent aller jusqu'au bout. Ouais. On va arrêter là avec le Limoges CSP. On va attendre le prochain match maintenant. C'est Chalon-Reims en déplacement. Bah celui-là, il va quand même conditionner, je pense, une bonne partie de la suite de la saison du CSP. Parce qu'autant, on n'attendait pas le CSP gagner à Levallois. Moi, même si j'ai trouvé le contenu plutôt bon, je m'attendais pas à ce qu'il gagne à Levallois. Et honnêtement, à la fin du match, il le méritait pas. Mais ce match à Chalon-Reims, faut absolument le prendre. Parce que si tu veux vraiment viser les playoffs, ça passe par une victoire à Chalon-Reims. Ça va 3-6 après 9 journées, ça va devenir compliqué quand même. Vous les avez joués, Chalon-Reims, Nobel? Ouais. Ça donne quoi? On a gagné. Après, je pense qu'ils ont lâché un peu vers la fin du match. D'où l'écart, on a gagné de plus de 100 points, je crois. Points. Et, 19 points en 14 minutes, je crois même. Ouais, c'est ça. Mais c'est une équipe correcte. Mais je pense que Limoges a toutes ses chances hein, dans le Channel. C'est, bon. C'est quand même dur qu'ils perdent contre eux, je pense. Bon, ouais, je pense aussi. Hein. Bon, ben on espère en tout cas. Bon voyage, Mathieu. Hein, c'est sympa d'aller. Merci. C'est toujours un déplacement très sympa en plus. Là-bas. C'est Reims ou Chalon là dans Reims, Champagne. C'est Reims. Bon. Ouais. Ah, sale champagne. Hein. Ouais. faut espérer que tu pourras le sabler après le match. En tout cas, on en termine là avec ce petit paragraphe sur le CSP. On revient vers toi, Nobel, et on va parler de ton passage à Limoges qui a quand même été très important. Tu arrives en cours de saison 2012. Tu te souviens de cette arrivée? Tu choisis quand même un club de Pro B, alors qu'à l'époque, il y avait quand même des clubs de Pro A qui voulaient de toi. Ouais, je m'en souviens très très bien, parce que c'était un tournant même de ma carrière, cette décision. Fred Forté, il me fait le forcing pour que je vienne et il me propose un contrat de 2 ans. Et ces clubs de Pro A qui me voulaient, je me rappelle bien, c'était Nancy et Le Havre, me proposaient à la fin de saison. Et au final, j'étais bien classé en championnat. Et le fait de monter, c'était très possible, puisque c'était deux équipes qui montaient. Mmh. Et le contrat de 2 ans a joué pour que je puisse venir aussi à Limoges. Ouais. Mathieu, c'est toi qui avais fait la présentation de Nobel quand il arrive en 2012, tu t'en souviens aussi? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Il était jeune et déjà impétueux. 23 ans à l'époque. 23 ans à l'époque. Et non, c'est vrai qu'il arrive. Après, je me rappelle pas exactement de lui. Je crois qu'il avait fait une pige à Nancy avant ça, avant d'arriver à Le Mans.
Le Mans, au mois de février. Et ouais, il arrive dans une équipe déjà qui avait fière allure. Hein. Il y avait du matos. Hein. Ça a été une des plus belles saisons, hormis les deux titres en Pro A, je pense, du CSP, cette remontée. Je crois que c'était avec London Milbourne et tout ça. Il y avait une très très belle équipe. Et puis lui, bah, forcément, hein, c'était une arme supplémentaire en Pro B. Il y avait Limoges et puis il y avait les autres. Faut pas oublier que cette équipe de Pro B, elle a fait finale de Coupe de France face à Chalon, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, il y avait une très très belle équipe. C'est, je crois qu'ils tapent Le Mans à la maison, en Coupe de France, l'Asvel de Westermann et Kim Tilly, même si c'était jeune. Enfin, ouais, ils ont accroché de très très belles équipes et on a vécu une super saison hein, avec Fred Sarr. C'était super. Bon. Et enfin, on a été à Bercy, on est revenu avec une victoire aussi quand même, hein, ouais, parce qu'on en avait fait quelques passages avant. Hein. Vous avez le titre de champion Nobel, et est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que tu es arrivé dans un club un peu particulier? Ou déjà, tu avais pris la mesure que bah, tu étais à Limoges et que c'était pas comme ailleurs? Je me suis rendu compte que c'était pas comme ailleurs, mais la saison Pro B, c'était quand même une autre dimension que les saisons Pro A, quand même. Et Euroleague. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'engouement et l'exigence, elle a fait que monter, quoi. Sur elle a fait que monter. Mais c'était quand même sympa, hein. Il y avait des retours en bus, moi je me rappelle, au siège du club, où déjà il y avait du monde, il y avait des fumigènes pour accueillir les joueurs en plein milieu de la nuit. Enfin, tu voyais quand même pas ça dans beaucoup d'endroits. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'était quand même sympa. Mais bon, on est rentré de Bercy, on a eu un tout petit truc devant le siège. Comparé aux célébrations ça a été crescendo. C'est vrai qu'après, ça a été crescendo. Ouais. Mathieu, la suite pour le CSP, ça a été donc la Pro A et l'épisode Giannakis. Sportivement, ça n'a pas été franchement une réussite quand même. Hein. Ah, ça n'a pas été notre meilleure saison. Ouais. La remontée en Pro A avec Giannakis, il y avait une équipe un peu de, sans que ce soit péjoratif, un peu de besogneau, quoi. Ça manquait un petit peu de talent, même si avec le recul, on est quand même Brad Wanamaker qui a jamais réussi dans cette équipe. Et quand on voit la carrière qu'il a fait derrière en Euroleague et en NBA, ça laisse quand même pas mal de regrets. Mais ouais, l'équipe de Giannakis, elle manquait un petit peu de talent, ça s'est pas très bien passé. Giannakis était plutôt du genre rigide. Ça n'a pas été la meilleure saison. Je sais pas comment Nobel l'a vécu, mais ouais, avec le recul, ça a été un peu long hein, cette saison quand même. Nobel, quel souvenir tu gardes toi de cette saison-là et surtout de Giannakis qui est arrivé avec une aura incroyable hein, quand même hein, et puis qui finalement ne confirme pas. De cette saison-là, je retiens qu'on avait quand même une bonne équipe. C'est vrai que c'était pas la plus talentueuse, mais Giannakis il nous a très bien coaché. Ce qui manquait, je dirais, c'est que il n'y avait pas de vrai leader dans l'équipe à ce moment-là. C'est que c'était un peu tout le monde traité un peu pareil. On sortait, personne prenait vraiment ses responsabilités. Et c'était plus ça qui nous a coûté un peu de faire une saison assez moyenne, puisque personne vraiment sort vraiment du lot. Si on regarde les stats de cette saison, il n'y a personne qui a dominé statistiquement cette saison comparé aux autres saisons. Alors, s'il doit rester peut-être un souvenir de cette saison, c'est le match anniversaire du titre 93 avec les maillots jaunes. Ça, et c'était Paris en face. Je crois qu'ils avaient pris une énorme. Ils avaient marré, C'était un très beau match avec les anciens et tout et les maillots jaunes la salle pleine. C'était pas mal. Ouais. C'était un très beau match. Ça reste au moins le bon souvenir de cette saison. Alors, on arrive à la finale de cette saison. Ouais. On arrive donc aux saisons suivantes, 2013-2014. Ça a été pour le moins agité, Mathieu, mais bon, ben, finalement, au bout, il y a le titre. Et c'est un peu une particularité de Limoges. Ah, on ne s'est pas ennuyé, là. Ces deux saisons-là, on ne s'est pas ennuyé. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas, mais il y a eu à chaque fois les titres au bout. Et c'est ce que Nobel disait, c'était vraiment on a senti la montée en puissance du CSP au cours de la saison déjà 2013-2014 avec, on en parlait la dernière fois avec Jean-Marc Dupraz, ces playoffs, franchement c'était fabuleux ces séries de playoffs avec Nobel, avec Adrien, des bons Américains et tout. Là t'as senti qu'il y avait que Limoges entrait un peu dans une autre dimension et le public a suivi. C'était un peu le bon temps là. Ouais. Nobel, qu'est-ce que tu gardes de cette saison du premier titre au creux de l'hiver? Alors vous étiez dans les trois premiers du championnat hein, tout le temps, mais bon, on sentait quand même qu'il y avait des tensions avec les Américains, avec Alex Acker notamment. Ça n'a pas toujours été facile.
Et puis finalement, l'alchimie, elle a fini par prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on va dire qu'on avait une équipe très talentueuse. Il y avait Adrien, il y avait Alexa, il y avait J.R. Reynolds qui était le sixième homme qui sortait et qui nous mettait des 20 points ou 25 points deux fois. Torin Green, etc. Donc on avait une équipe très talentueuse et on va dire que c'était un peu le combat pour savoir qui vraiment allait être le leader de cette équipe. Il y avait, de gros égos. Des gros égos, quoi. Et Adrien, il venait avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambition aussi. Et au fur et à mesure de l'année, on voit que bah, on est quand même pas si mal, mais il y a quand même des postes 5 qui est visé. On a besoin d'un poste 5 alors que on tournait tellement bien qu'on pouvait avoir n'importe quel poste 5 et on allait gagner, quoi. Et au final, on a réussi à vraiment se mettre s'entendre au bon moment. Et là, c'était le déclic dès que ça arrivait parce qu'on s'entendait super bien sur le terrain. C'est que ça jouait trop bien même. Donc, c'est l'arrivée de Johan Petro un peu qui change la donne. L'arrivée de Johan Petro ne change rien du tout, mais Johan Petro après il a apporté un peu de voix dans le vestiaire, oui. Mais au niveau du vestiaire plus ouais, sur le terrain. Un peu quoi, on avait déjà Joe Gomis aussi pour ça, tu vois. Mais le fait que tout le monde se rende compte que bah on veut gagner quoi, on le veut ce titre. Alex Sacker, il a déjà perdu une finale, etc. Donc on le voulait ce titre. C'est ça qui a fait que au bon moment on a su se mettre d'accord et que on a réussi à jouer et se trouver sans se soucier vraiment de qui va être le meilleur marqueur ce soir ou qui va dominer quoi. Et s'il devait te rester un souvenir de ce premier titre vraiment marquant, un match, une action, ce panier là, pendant le match 3 qui tu tires à 3 points, le panier qui le ballon qui monte presque jusqu'au-dessus du panneau et qui retombe dans le panier. Non, moi, c'est ce que je devrais me souvenir, c'est la demi-finale contre Dijon. Hein. C'est ce match qu'on ne devrait pas perdre et qu'on perd chez nous, qui nous met un peu dos au mur parce que Dijon était invaincu chez eux. Et qu'au final, on arrive à faire un travail en 5 matchs. Je pense que c'était même le match le plus dur des deux playoffs pour moi, avec une très belle équipe de Dijon. Et on a réussi à faire un travail exceptionnel pour aller en finale, quoi. Mathieu, après la saison suivante, elle est pour le moins agitée aussi, hein, puisque Jean-Marc Dupraz est débarqué en cours de saison. Et ça se finit de la même façon avec un titre au bout. Ouais, bah après la saison suivante, j'avais envie de dire, c'était encore moins inattendu. Enfin, tu regardes avec le recul l'équipe du Limoges CSP de la saison suivante, tu dis ça pouvait que terminer comme ça quasiment. Enfin, il y avait Adrien qui était au top, même s'il se blesse à la main en finale. Mais Nobel, Gélabal, Léo Westermann, Pudgeter qui arrive en cours de saison en même temps que Philippe Hervé. Tout était écrit en fait, tout était fait pour que le Limoges CSP fasse le back-to-back. Pour moi, il y a beaucoup moins de surprises la deuxième saison, même s'il y a encore eu des hauts et des bas, comme tu dis, avec le licenciement en cours de saison de Jean-Marc Dupraz. Mais l'issue presque, quand tu regardes l'effectif du CSP, elle était presque inéluctable, à mon sens. Tu l'as senti aussi comme ça, Nobel, comme l'explique Mathieu, quelque part. Dans ma tête, j'en avais déjà gagné un et je pensais en gagner un deuxième l'année d'après. Et c'est vrai que la façon dont l'équipe a été construite et le recrutement, etc., je trouve que c'est un très bon recrutement. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur, à part Ramel Curie ça s'est pas bien passé. Mais dans l'ensemble, on avait une équipe, on savait qu'on était les champions en titre et que cette année, on va encore aller chercher le titre. Donc, c'était plus des problèmes, Jean-Marc qui part, des problèmes un peu d'instables ou peut-être des joueurs qui ne trouvaient pas leur place au niveau de leur rôle, que quand Philippe Hervé arrive, il arrive à remettre tout le monde en confiance pour gagner ce titre, quoi. Et en termes d'émotion, c'était aussi fort que le premier ou il y a déjà une petite habitude? C'était aussi fort, mais plus facile quand même. C'était aussi fort, mais plus facile. Parce que franchement, on est tombé en play-off. Je pense qu'on n'a pas vraiment été en difficulté tout le long des play-offs. Ça fait quoi? Attends, Asvel, je crois, 2-0 au premier tour, c'est ça? Ouais. Et après, Nancy, je crois, qui est assez diminué en plus. Diminué, Ils sont décimés là, sur le match 3, hein, je crois. Ouais. Donc notre chemin, au final, il n'était pas très compliqué. Et après, en finale, on en perd un, mais bon... Vous en perdez un, Strasbourg, à la différence de la première année. Mais bon, c'était le but, on cherche d'en gagner au moins un là-bas, quoi. Ouais. Donc, c'est une saison bien gérée, même s'il y a eu quand même ces petits moments où des joueurs qui ne retrouvaient pas leur rôle dans l'effectif, etc., quoi.
Et après, sur les deux titres, il y a quand même ces célébrations avec le stade de Beaublanc qui est juste à côté, où il y a 5000 personnes. Il y en a 5000 à Beaublanc aussi dans le Palais des Sports. Ça doit rester quand même des moments incroyables. Ouais, ça, c'est des moments incroyables. Et c'est même un regret qu'il n'y ait pas assez de place dans la salle pour accueillir tous ces gens-là, quoi. Parce que c'était une folie de voir des gens devant un écran à même pas 200 mètres de Beaublanc pour regarder le match. Autant de personnes que de personnes qu'il y a dans la salle, c'était un truc, des souvenirs de fou, quoi, ça. Et tu te dis pourquoi on n'a pas une salle de 10 000 places à Limoges, quoi. Et aujourd'hui, tu joues plus le titre, hein. Ah ben à l'époque, tu la remplissais sans problème, hein. Ah ouais, tu la remplissais sans problème. Il y avait des gens de partout qui demandaient des places, quoi. Oui. C'était fou. Mathieu, ce qu'on retient aussi là, entre l'arrivée de Nobel et ses deux titres, c'est qu'il arrive à 23 ans. Il est encore un joueur pas encore pleinement référencé, en devenir. Non. Et finalement, il s'est adapté, la Pro B, la Pro A, il s'est mis au niveau, l'Euroleague. Il y a eu une progression, à la limite, équivalente à celle du Limoges CSP. Ouais, bah, il a grandi, je pense qu'il a grandi avec le Limoges CSP. Il le dit souvent, il a aussi croisé de grands coachs au Limoges CSP. Même si Giannakis, ça peut être une saison de fou, au final, ça reste quand même un coach avec une aura et un ancien très immense basketteur. Il a croisé la route de Philippe Hervé, de Vujosevic. Enfin, je pense qu'il a eu, il en parlera mieux que moi, mais il a eu une très très riche expérience. Jean-Marc Dupraz aussi. Pourquoi tu rigoles? Non, mais tu dois être allé l'oublier, je l'ai dit. Non, je parlais des étrangers, sois pas mauvais. Ok, ok. T'as dit Philippe Herbe. Comment tu vois ça, toi, Nobel, entre le jeune joueur qui arrive à 23 ans et celui qui est double champion de France? Comment tu vois la progression? Ouais, c'est une progression que, franchement, j'aurais pas pu penser que j'allais progresser autant. Mais c'est vrai que c'est les coachs qui m'ont aidé, hein. Et je pense que tous ces coachs-là qu'on a cités, ils m'ont tous apporté quelque chose pour devenir un meilleur joueur. Et c'est vrai que Giannakis, il avait une façon spéciale de coacher, de voir son jeu européen, les fondamentaux, etc. Donc j'ai pris un peu de tout le monde et au fur et à mesure, ouais, de champion de Pro B, on arrive à monter jusqu'à devenir champion Pro A. Hygiène de vie et de travail irréprochable, Nobel, on peut le dire. On va pas dire hygiène de vie irréprochable, mais de travail, on va dire, parce que quand même, quand je vais au boulot, je suis sérieux, j'aime pas perdre, etc. Donc il y a quand même un mental, quoi, qu'il faut avoir pour ça. Mais après, hygiène de vie, j'allais souvent dehors me changer les idées avec mes amis. Ah, ils t'ont regretté, hein. Il y a des patrons qui t'ont regretté, Nobel. Il y a des commerces confirmés, hein. Non, c'est pas vrai. Tu mets la clé sous la porte, Nobel. Ah, mais après, c'était les belles années, hein. C'était les années. Non, c'était les très belles années. Au moins, on peut pas lui reprocher, il faisait le taf sur le terrain. Ouais. C'est vrai qu'il sortait, il en profitait, il profitait de la vie quand même, mais il faisait le travail sur le terrain, on peut pas lui reprocher. Quand tu gagnes, on va dire en quelque sorte, t'assumes, quoi. Donc, tu sors, tu gagnes, tu profites. C'était les belles années. Avec un peu de recul, même si ta carrière n'est pas finie, ce sont tes plus belles années de basketteur? Avec un peu de recul, ça fait partie. En France, en tout cas, sans doute, c'est mes plus belles années, ouais, plus belles années en France. Parce que, avec le recul, c'est ce que je disais à Mathieu quand il m'avait interviewé, c'est que je suis référencé. En plus, depuis que je suis parti, on me parle que de Limoges. Depuis que où je suis allé, on me parle pas d'un autre club que Limoges, quoi. Toi, t'es Nobel de Limoges. Toi, t'as joué à Limoges, c'est collé, quoi. Et ouais, avec le recul, c'est vrai que c'est là-bas que les titres ils sont sortis là. La première fois que on a gagné un titre, j'étais revenu à Paris pendant l'été, on m'arrête sur les Champs-Élysées carrément. Et c'est un truc de fou, quoi, parce que Paris, le basket, on s'en fout un peu, il y a des stars partout. Et on m'arrête, ah, félicitations pour le titre. Donc ouais, c'est Limoges, ouais, c'est mes plus belles années, on va dire. Ouais. Et j'avais une question. Parce qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, à mon avis, derrière aussi. C'est aussi pour ça que pour l'instant, ça reste les plus belles années. Parce que je pense que Nobel, il aurait pu avoir une carrière, une vraie carrière européenne. Ah voilà, ma question m'est revenue. On parlait de l'interview de Mathieu. Ah, et deux fois, tu lui dis, je ne me rendais pas compte. C'est quand même incroyable aussi, ça, non? Ouais, c'est fou parce que j'étais jeune déjà. J'étais jeune et j'étais exigeant.
La première fois que j'ai gagné le premier titre, juste après, j'étais dégoûté de ne pas être MVP, même si après, j'ai compris qu'Alex Acker a fait des super finales. Et juste après, je me dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? Équipe de France, Summer League, je reste, je pars. Tout allait vite dans ma tête. J'ai même pas eu le temps de profiter le premier titre. Hein. Le premier titre, je l'ai vraiment pas profité. Et le deuxième titre, là, j'étais encore dégoûté de ne pas être MVP des finales. Et là, dans ma tête, il y a Adrien qui vient me voir et trucs. Et que je me dis, bah là, il faut que j'en profite quand même, parce que l'année d'avant, je me suis gâché le truc en étant trop exigeant, en voulant trop de choses. Profite quand même du moment. Donc oui, avec le recul, quand il repense, bah oui, c'était un truc de fou, et je m'en rendais pas compte, quoi. Je m'en rendais pas compte que j'y vais tout ça, quoi. Ouais. Et après, on arrive au départ. Bon, il se fait, c'est un peu moyen quand même le départ de Limoges, quoi. Pas forcément comme t'aurais espéré qu'il se passe. Ben, je dis pas forcément comment j'aurais espéré parce que mes amis ils ont pu partir tranquillement. C'est pour ça que je le dis. Et que moi, ben, Fred il voulait pas. Fred il voulait pas. Il croyait pas que je pouvais partir aussi. Et le public aussi il comprenait pas. Parce qu'à un moment donné, moi, Fred, je lui ai expliqué bien avant la fin de saison même. J'ai dit cette année, je pars, quitte à payer ma clause, etc. Laisse-moi partir. Oui, t'inquiète, nana, j'ai vu en réunion, j'ai dit, je ne resterai pas, Fred. S'il te plaît, trouve un truc, on trouve une solution, je sais pas quoi. Ok, si t'as une proposition, on verra, nana. Et finalement, quand la proposition arrive, même si elle arrive un peu tard, bah, ça reste quand même un combat, quoi. Un combat, je suis obligé de montrer au public que je ne veux pas rester. Et ça, je pense que c'est le public n'a pas aimé que je leur montre ça, quoi, que je ne voulais pas rester. Ça aurait dû être un truc négocié, géré entre moi et Fred, les clubs. Au final, ça a été une affaire que j'ai dû montrer à tout le monde. Bah, je veux pas rester. Ouais. C'est la bagarre, quoi. Mathieu, c'était un peu le cas avec Fred, hein, quand il voulait pas lâcher un joueur, fallait aller au charbon, hein, parce que c'était compliqué, hein. Oui, bah c'est pas la première fois qu'on dit que Fred Forte il se nourrissait du conflit, hein, donc lui retenir un joueur, ça lui faisait pas peur. Maintenant, moi toujours compris Nobel sur, je l'ai pas toujours compris Nobel, mais au moins sur ce plan-là, je l'ai compris sur ses envies de départ. Je pense que quand t'as fait 4 ans dans un club, t'as eu 2 titres de champion, t'as joué l'Euroleague avec ce club, t'as eu une montée. Je pense qu'au bout d'un moment, bah t'as un petit peu fait le tour. Et moi, je comprenais les aspirations, les ambitions de Nobel de vouloir repousser un peu ses limites et de se tester à l'étranger. Après, il avait une clause de départ qui était pas donnée. Et je pense que Fred et le CSP voulaient récupérer le maximum d'argent dans cette affaire, hein. Je pense que ça s'arrête là. Et puis Fred aimait bien Nobel, donc voilà. Mais les deux avaient leur raison. Fred, il y avait un contrat, il voulait le faire respecter. Nobel avait des envies d'ailleurs, ce qu'on peut comprendre au bout de 4 ans, je pense. Bah après, quand je suis parti, le club a touché 170 000, je crois, ou quelque chose comme Ouais, ça, plus de euros. 100 000, je crois, de buyout quand même. Sachant Et qu'il t'avait le empêché de meilleur partir au Kelsinor est Palmer. parti du club avec un buyout comme ça, ces dernières années. Aucun. Bah, voilà, donc quand même, le club a été récompensé. Je suis parti, mais il a eu de l'argent en échange. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi Donc je suis sur pas parti le non fond. plus de la. En plus, il y a une histoire comme ça au football avec Mbappé. Je suis pas parti d'une salle la plus mauvaise des manières, puisque le club a eu de l'argent. Oui, non, mais Donc je là, suis ça d'accord avec entachait toi. un peu. Ça entachait un peu le fait que je vais partir. Ça fait quand même que non. Comment ça? Je comprends pas, tu vois. Donc ouais, c'est de la compréhension un peu, je pense. Hein. Ouais, voilà. Il y a deux intérêts un petit peu divergents. Et puis, bon. Après le CSP, donc pour toi, Nobel, il y a eu le Khimki Moscou, Séville, Turin, Badalone, Paris Basket en Pro B. Comment tu juges ton parcours après Limoges, là? Il y a eu pas mal de choses. Pas la même stabilité. Comment tu juges ton parcours? Ben, je juge que, ouais, comme Mathieu a dit, j'aurais pu peut-être faire une meilleure carrière à l'étranger. Mais je juge que, ouais, je vais à Khimki et Dusko, il me voulait absolument et ça se passe plutôt pas mal, même si Dusko est très exigeant et c'est pas facile de tous les jours avec lui. Mais j'ai une petite blessure là-bas à un moment donné qui me gêne un peu ma fin de saison, qui a été mal soignée et qui me gêne un peu ma fin de saison. Et après, c'est le cirque de l'étranger. Hein. L'étranger, t'es un mercenaire, t'es pas protégé sur JFL ou je sais pas quoi. Et tu joues pas en tant que Français ou tu joues t'es un étranger quoi. T'es là pour performer et t'es en concurrence avec les Américains, avec toutes les nationalités. Donc c'est quand même un gros gros challenge.
Donc au final, ouais, je passe par quelques équipes qui sont pas mal, expériences qui sont sympas aussi, mais pour s'installer, c'était compliqué, ouais. C'était compliqué. Mathieu, Nobel, c'est un joueur fait pour jouer en France ou tu penses qu'il manque un petit quelque chose, de la chance, hein, des fois, mais il faut pas grand-chose, hein. Non, moi je pense que Nobel, il s'est parfois un peu trompé sur lui-même, dans le sens où je pense que c'était le meilleur Nobel que j'ai vu au CSP. Moi, c'est celui des demi-finales de playoffs là en 2014 quand il veut éteindre Michael Riley, qui était alors au sommet de son art. Ouais. Et tu veux pas que je raconte le truc sur Harris, non? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Et voilà, je pense que Nobel, à un moment donné, ouais, je pense qu'il voulait marquer un peu de points et tout ça. Je pense que si c'était cantonné dans un rôle un peu plus défensif, voilà, il avait toutes les capacités pour faire une très très belle carrière en Europe. Mais je pense que Nobel, il voulait un peu trop en faire, il voulait un peu trop briller parfois, et voilà, et parce qu'il a du tempérament et que on avait du mal à le cadrer et que voilà. Mais je pense que si c'était mis vraiment dans un bon registre, dans ce que attendent les coachs de lui et tout, je pense qu'il aurait fait une toute autre carrière. Franchement, pas mal ton analyse. Bon, ce tempérament, Merci. Nobel, tu penses que c'est ça qui t'a un petit peu freiné à un moment? Non, c'est pas une question de tempérament, mais je pense que c'est son analyse. Mais après, ouais, ça va sûrement avec le tempérament. Mais son analyse, c'est que moi, j'ai commencé en tant que défenseur déjà à Toulon. J'étais catalogué un peu défenseur, dunker, etc. Et que moi, ma façon de jouer, c'était pas trop ça, quoi. J'ai toujours voulu prendre du plaisir, j'ai toujours voulu marquer, j'ai toujours voulu être une star plus ou moins comme quand j'ai commencé à être un joueur leader à Limoges, j'ai toujours voulu ça. Et ce rôle de bon défenseur, même si je peux le faire et je l'ai prouvé sur certains matchs, j'aurais voulu être que un défenseur ou que un joueur de rôle. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui acceptent ça, mais moi j'aurais pas pu accepter ça dans une carrière. Voilà, donc Parce que c'est le tempérament. je suis capable de faire plus. Oui, Donc capable de faire plus, mais capable de faire plus, je pense, à un certain niveau, et que si tu avais voulu être à un plus haut niveau encore, eh bien, je pense que tu aurais besoin un peu de te spécialiser et de rester dans un registre. ouais, ça peut être pas faux. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon, je raconte pas l'anecdote sur Harris, alors. Ah ben si, ça fait deux fois que t'en parles, donc faut bien que tu aies la lâche quand même, hein. Alors je Bon, sais plus si d'accord. en 2014 ou 2015, il y avait un Harris. Alors j'ai perdu son prénom là, qui joue à Nancy. Je sais pas si vous en rappelez, c'était un ailier un peu arrière-ailier, bien musculeux et puis gros joueur, gros scoreur du championnat. Bon, il en a le premier match, il en met 35, je crois, sur un Nobel. Deuxième match, on fait la conférence d'avant le match et tout. Alors bon, Harris et retrouvailles et tout ça. Bon. Harris, on va lui montrer que c'est pas un joueur de basket. On va lui montrer qu'il sait pas jouer au basket. Deuxième match retour, Harris à Beaublanc, 35 points sur Nobel. Bon, Voilà. Nobel, une analyse. Et des fois, c'est bien de parler avant, deux fois. Des fois, c'est pas bien. Mais bon, après, pour le coup, c'est ce qu'on aimait bien sur Nobel. Tu vois, c'est qu'il faisait pas trop dans la langue de bois, il disait ce qu'il pensait, quoi. Après, Ouais, ouais, dans ouais. ces cas-là, c'est à double tranchant, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. Et là, face à Harris, Ils n'ont pas été champions. non, ils n'ont pas été Exactement. champions. Et Michael Riley, c'est quand même toi qui l'as éteint à Dijon. Et c'était pas une mince affaire quand même. Comme disait Mathieu à l'époque, Ah, il est Riley, joueur. c'était quand même c'était du top, hein. Ouais, mais là, c'est là où j'ai ça dans mon jeu aussi, c'est que je sais ce que l'équipe a besoin et que à ce moment-là, l'équipe avait besoin que je sois au meilleur de ma défense pour essayer de, parce qu'on pouvait pas envoyer un hacker dessus, on pouvait envoyer personne d'autre même. Donc il y avait que moi et que même sur les finales avec Strasbourg, j'ai beaucoup défendu sur Dio pour essayer de l'empêcher de créer son jeu de passe et de fournir à tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, c'est des petits sacrifices, mais c'est pour gagner, quoi. C'est pour gagner et c'est important. C'est les petits sacrifices qui font les meilleurs souvenirs au final. Oui, parce qu'il y a les titres au bout, hein, sur ces sacrifices-là quand même, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas juste passer un Mais tu m'aurais dit tour ça pendant la saison, on va défendre, je vais faire, oula, laisse-moi tranquille, moi, je ou... n'ai Oula, attends, il faut que je mette rien. mes 20 points d'abord, hein. Après, le reste, on en discute, hein. Nobel, on va passer un petit peu aux questions là qui tombent là sur le chat. Alors, il y a une question là. Les playoffs, il nous faut un pigiste qui aime la gagne. T'es partant? Pigiste encore? Ouais, ben là, c'est pour la fin de saison, hein, si jamais Limoges est en playoff. Bah, je serais partant que si je suis en forme. Hein. Bon. Limoges, c'est un risque hein, pour moi de rentrer à Limoges. Hein. Ouais, pourquoi tu dis que c'est un risque? Bah, parce que là, le public, en tout cas, du moins, tous les messages que je reçois, on se rappelle tous des belles années.
et que si je reviens pour jouer moins bien et parce que je connais le public exigeant, c'est pas bon. Ah oui, il y aurait de la pression quand même. C'est pas bon quand même, il y aurait de la pression. Ouais. Une autre question, tu penses jouer jusqu'à quel âge? Autant que ton ami Amara? Autant que mon ami Amara, je pense pas du tout. Mais après, franchement, c'est vraiment une question de physique, hein, je pense. Hein. Je pense que quand mon corps sera fatigué, je le sentirai et j'arrêterai. C'est pas le cas aujourd'hui? Pour l'instant, non. Pour l'instant. Alors, une question de Bonatoto, un fidèle de notamment de notre podcast. Nobel, avec ton expérience européenne, tu as pu voir pas mal de salles dans pas mal de pays. Comment tu les compares à Beaublanc? Beaublanc reste numéro 1. Hein. Reste numéro 1. J'essaie même de me rappeler dans mes souvenirs. J'ai vu des belles salles, mais j'ai pas vu des grosses ambiances. Peut-être que c'était pas nos matchs, c'était pas les matchs les plus chauds, ouais. mais j'ai pas vu de grosses ambiances. Ouais. Même en Espagne? Et pour Beaublanc, quand même, c'est quand même une influence qui est quand même constante, hein, on va dire. On va dire, pour les publics limogeaux, il n'y a pas vraiment de petits matchs où ils ne vont pas venir, où ils vont venir que pour les gros matchs. Ils sont quand même présents plus ou moins toute la saison. Ouais. Encore une question, toujours Bonatoto. Alors, il te demande un regard extérieur sur le Limoges CSP actuel. Alors, dans l'interview de Mathieu, on y revient toujours. Tu parles de Ferrari, de deux chevaux. Tu confirmes? C'est pas le Limoges des titres, mais je pense que c'est un Limoges en reconstruction. Après, il a des objectifs, les playoffs, peut-être accrocher une Coupe d'Europe, je pense aussi, non? Ouais, ça va avec les playoffs, ça va te perdre avec un peu. Les playoffs, etc. Ouais. Et je pense que c'est un bon objectif pour la première année du nouveau coach, l'effectif que Limoges a. Je pense que c'est un objectif jouable et que c'est un bon objectif. Plus ce serait compliqué cette année, plus. Après, ouais. ça a fait tiquer dans la manière de le dire, mais bon, c'est dur de lui donner tort. 2014-2015, CSP est clairement favori, enfin en 2015 en tout cas, est favori pour le titre. On l'a dit tout à l'heure, il y a des joueurs comme Adrien, comme Nobel, comme Léo Westermel, comme Pudgeter, comme Mike Gélabal. Et voilà, donc oui, ça ressemble plus à une Ferrari, du moins à l'échelle française. Et aujourd'hui, on en est quand même loin, même s'il y a des bons joueurs, on est loin de ce niveau, on est loin de ses ambitions, voilà, c'est le constat, il est limpide, et voilà, il l'a dit avec ses mots, mais dans le fond, il n'a pas totalement tort. Il y a certains constats, ils sont imparables, et en l'occurrence celui-ci. Nobel, est-ce que tu as suivi un peu l'évolution du Limoges CSP dans sa gouvernance, le retour de Céline Forté, enfin l'arrivée de Céline Forté, le passage de Richard Dacoury, des choses comme ça, où ça ne t'a pas vraiment intéressé? Et tout suivi, bien sûr. Ouais. Et de très près. De très près, ouais. Et mon avis, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Compliqué. Après, surtout, ceux qui ont dirigé avant, là. Ouais. Pas trop compris ce qu'ils ont fait comme bordel, mais ils ont fait un bordel, c'est sûr. Et le fait que Yuri déjà se retrouve à un poste. C'était quoi son poste? Président. Président. Président Nobel. Ça, c'était la plus grosse blague, je pense. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait l'ami de Forte qui était là, Bourguin, mais bon, ça a été mal géré. Hein, ça. Ouais. Tu as des liens toujours avec les gens du CSP, là, d'aujourd'hui? Mon dernier rescapé d'amis, c'était. Poisson, mais bon, ouais. Il est en train de quitter le club, donc courage à lui, j'espère que tout va bien se passer, mais c'est vrai que je crois qu'il reste Paul Fournel dans le staff. Ouais, oui. Paul. C'est vrai que depuis notre passage, Jackie il est là encore, mais il est Jackie. À Boulogne. Hein? Il n'est pas venu en déplacement. Non, il ne fait pas les déplacements, il est encore là un petit peu. Et donc, ouais, depuis notre départ, ouais, ça a vachement changé, et c'est vrai que c'est quand même étonnant, quand même, hein. Étonnant tous ces changements... Et en même temps, le club qui va pas très bien, qui perd de son standing, c'est très étonnant et choquant, quoi. Parce que Limoges, ils peuvent pas. Limoges, c'est Limoges, quoi. Je suis allé à Moscou, je suis allé partout. Tout le monde connaît Limoges CSP, hein, à l'étranger. Et Limoges jouer que les playoffs ou se battre pour rester en première division, c'est pas Limoges, quoi. Non. Donc c'est. Encore une question, Cardévez, un fidèle aussi. Peux-tu ressortir un entraîneur et trois joueurs de tes années Limoges? Un entraîneur.
Un entraîneur? Ouais. Dur, un entraîneur. On va dire un joueur déjà, bah, Adrien. Ouais. Très juste. On va dire ces deux-là. Et entraîneur. Ouais, tu peux m'aider, Mathieu? On sait très bien comment ça va finir. Hein. Tu vas dire Philippe Hervé. Philippe Hervé, mais Philippe Hervé, tout le monde croit qu'il est parti à cause de moi. Non. Mais. Non, mais ouais, j'en mettrai deux, Philippe et Giannakis. Giannakis. D'accord. Bon, ben voilà, parfait. Alors, il y a une question, elle est revenue plusieurs fois. Avec Adrien, vous aviez souvent dit, déclaré, on reviendra à Limoges ensemble. Alors, on en est où de cette histoire là? C'est quand que vous revenez? Bah, c'est quand déjà, il faut qu'Adrien il arrête de gagner la Coupe d'Europe. Non, Adrien, il va revenir, mais c'est pour racheter le CSP, lui, je pense, à ce rythme-là. Tu vois. Faut qu'il arrête de gagner l'Euroleague déjà. Mais non, mais pour l'instant, les carrières de joueurs, de sportifs, durent un peu plus longtemps maintenant. Donc, moi, je suis vraiment dans mes envies déjà de pouvoir plus revenir à Limoges. Et Adrien, lui, il n'est pas encore trop là. Et après, il ne faut pas que Tony Parker le pique aussi. Parce que ouais. Il est très proche de l'ASVEL aussi. Hein, donc, à voir. Bon. Au niveau de ta saison, là, donc tu es en contrat jusqu'à début décembre avec les Metropolitans. Est-ce que pour la suite, il y a déjà des pistes? Est-ce que les Metropolitans pourraient te conserver? Comment ça se présente? Ben, les Metropolitans ont déjà essayé de me conserver, mais je pense que c'est un problème budget, etc. Parce que avec la ligue, etc., et même leur sponsor, la mairie. Ouais, la mairie, ouais. ils sont un peu surveillés là-dessus. Donc, s'ils trouvent les fonds, ouais, c'est peut-être possible. Et sinon, ouais, quelques contacts pour l'instant en France. Et rien n'est fait. Et on verra. Bon, de toute façon, t'as Gravelines, ça. Pardon? Ça va finir à Gravelines, ça. Gravelines, jamais de la vie, je me dis. Tu peux me donner 1 million, j'y vais pas. Et quelle est la raison? C'est le. Il y a des clubs climat, c'est tout. Spécialement, tu vois, dans mon cœur et la ville, etc. Gravelines, ils ont fait des trucs bizarres à des amis à moi, déjà. Aldo Curti et là, pas longtemps, Paul Rigaud. Donc, non, ça m'intéresse pas. Bien, bon, au moins. Portez aussi, donc faudra pas me mettre sur l'histoire Portez. Portez, j'y vais. Tu as été à un moment donné un petit peu. Non, je n'irai jamais là-bas. Strasbourg, je n'irai jamais là-bas. Donc, il y a plein. Il y a pas mal de clubs, ouais, où tu vas pas aller. Dijon non plus. Non, merci. Bien. Au niveau des joueurs avec qui tu es resté en contact de l'époque Limoges, il y en a beaucoup. Et est-ce que ces contacts sont encore fréquents? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Je pourrais citer Djamar, Pou, Ousmane, Adrien, pas besoin de le dire, Léo. Oui, fréquent. Après, c'est vrai qu'Adrien et moi, on est très très proches puisque c'est mon meilleur ami. Je suis témoin de son mariage, je suis parrain de sa fille. On est très très proches. Mais ouais, on est vraiment restés tous proches, même avec sa cœur et tout. On s'envoie souvent des messages. Je pense que ouais, ces périodes de titres, comme les coachs nous disaient, c'est des liens qui sont pour vous, qui vous seront pour vous à vie. C'est vraiment vrai puisque on arrive à en reparler ou à se remémorer ces souvenirs-là de temps en temps et on est resté très proches. Ouais. Bien, Mathieu, quelque chose à rajouter? Non. Bon, je pense que c'est bien, on découvre un Nobel plus mature, 33 ans, non, ça peut être bien. À chaque fois, tu me la sors, celle-là. Ouais. À chaque fois, à 40 ans, tu vas être pas mal, ouais. Chaque année, il me dit ça. C'est vrai. Non, mais c'était des bons souvenirs, hein, quand même, donc ça fait toujours plaisir d'en reparler, et puis je partage un peu son analyse. C'est vrai que même en tant que journaliste et tout, 2014-2015, tu mesures pas forcément à ce moment-là la chance qu'on a, quoi, parce que il y a une ambiance de fou, il y a des joueurs impressionnants, il y a deux titres au bout. Je pense que ouais, je le rejoins un peu sur le coup. Oui, moi, t'es pris un peu dans l'engrenage et tout ça, bah tu mesures pas forcément en fait tout ce qui se passe, la portée de tout et ouais, voilà, on doit en reparler avec le recul, c'est un peu différent et c'est bien.
Limoges était sur la carte. Hein. La carte, tout le monde en parlait, tout le monde voyait. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais à cette époque-là, c'était vraiment fou, quoi. L'engouement qu'il y avait autour de Limoges, quoi. Et puis, ben, ils revenaient de tellement loin aussi, hein, puisqu'ils étaient repartis en troisième division 10 ans avant, hein, à peine. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, Limoges, tu l'as dans ton cœur et c'est ton club de cœur, c'est ce que tu as dit aussi. Ouais, c'est mon club de cœur. Bon, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais quand je suis arrivé et tout, bon, finalement, c'est mon club de cœur. Et ça, franchement, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est comme comme quand t'as un enfant, tu l'as pas choisi, hein. C'est comme ça. Tu l'aimes, c'est comme ça. Voilà, mais c'est une belle déclaration, Nobel. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci Mathieu d'avoir participé également. Rendez-vous sur nos sites internet, lepopulaire.fr et le populaire Terre de Sport pour revisionner cette émission. N'hésitez pas à commenter, partager et rendez-vous dans une semaine maintenant pour notre podcast BBC. Salut.